Mais si Yannick, mon Dieu, en studio aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? T'as bravé la tempête. C'est le temps des cadeaux. Ah, c'est vrai. Merci c'est beaucoup. Le temps des cadeaux. C'est comme une tradition, il arrive en même temps que la tourtière de la soupière de l'amitié. Je sais pas pourquoi, à chaque année, il est dans nos studios, puis arrive la tourtière. Mon espèce de scroll. C'est un addon, tout à fait. Tout à fait. J'avais aucune idée. Mais je vais faire aussi un cadeau aux auditeurs qui rêvent de voir depuis des années comment ça se passe en ondes. Aujourd'hui, j'ai amené mon Kodak. Ben oui, bon. La machine à film est dans le coin. Ce qu'on fait, là, on est en train de filmer la chronique. Et puis aujourd'hui, vous allez pouvoir voir ça sur YouTube, bon. Sur la page de Daniel qui vous fait. Tu as fait ça maquillage? Des bye-bye. Ouais. Envoie la main. Est-ce que je suis mieux avec sans lunettes? Ou, envoie la main, Richard. Dis allô à la caméra. Bonjour. Rapproche-toi, il ne te voit pas. Rapproche-toi. On est assez content d'une caméra. Allô? Regardez, c'est nous autres. Bon, alors. Vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de caméra en studio actuellement. Après avoir vu la vidéo qu'on va mettre sur la page d'accueil de Yannick.net aujourd'hui, alors je suis certain qu'il y a des gens qui ont très hâte de voir ça. Oui. Alors c'est le petit cadeau qu'on vous fait. On vous parle de cadeau de Noël parce que c'est la saison, parce qu'on le fait tous les ans. Mm-hmm. Et parce qu'il faut le rappeler, j'ai premièrement la liste, le sondage qui avait été fait, on en a parlé dans le passé. Comme on a parlé de la guitare de Gibson, les amis, il y a 2-3 mois, au clic de Yannick pour vous dire que ça s'en venait. T'aurais dû acheter ça. Ben, j'aurais dû, donc dû. Alors, le sondage Staple Business Depot qui dit les 5 cadeaux que les gens aimeraient le plus recevoir cette année, c'est un appareil photo numérique en 5e place, ordinateur portable en 4e, cadre photo numérique. On est rendu là, là, hein, les cadres photo. Tu sais, comme dans la maison de Bill Gates, il y a quelqu'un les images changent sur le mur. C'est très beau, j'ai vu ça la semaine dernière, d'ailleurs. N'est-ce pas? Les photos changent sur votre mur, vous avez l'air très fashion. Mm. Alors, un GPS, vous savez pas de GPS, là. Moi, avant d'avoir un GPS, j'étais complètement perdu, je me cherchais. GPS, c'est ça que ça prend. Puis le iPod Nano. Avant de tomber dans mon top 10, on va faire ça très rapidement. Je veux vous dire qu'on a fait un autre sondage du côté du Consumer Electronic Association. Écoute, ce qu'ils veulent avoir le plus à Noël, c'est en première position, un ordinateur. En deuxième, la paix dans le monde. Je te jure! Y a-tu des en troisième, une télévision. Non, non, mais c'est dans l'ordre. Ils ont dit, vous êtes bien sûr, vous avez compris la question. Oui, oui. C'est la première fois, Daniel, qu'un sondage révèle que les gens, là, avant là, s'occuper de son voisin, la faim dans le monde et tout ça. Non. Ordinateur. 2. La paix et le bonheur. 3. Télévision grand écran plasma, s'il vous plaît. Ben oui. Alors ben voilà. Oui. Le top 10 aussi que vous allez retrouver sur Yannick.net en page d'accueil. Le top 10. On va commencer avec un cadeau. Je l'ai mis en 10 parce que c'est dommage, on ne peut pas l'avoir au Canada. Mais c'est tellement original. Vous avez de la parenté aux États-Unis. Yann, tu te fais faire une bouteille de parfum avec la photo de toi et ta blonde dedans la bouteille. C'est-tu chic! Alors, clinique.com, le site internet, vous pouvez commander vous, tout ce que vous avez. C'est très simple, je l'ai essayé, sauf que ça a bloqué quand je n'avais pas d'adresse aux États-Unis. Vous pouvez télécharger une photo de vous et votre amour et mettre le mot que vous voulez sur la bouteille. Clinique vous offre la bouteille de parfum. À savoir si le parfum sent bon, ça reste à c'est bien, non, à c'est voir. Original, par exemple. En 9e position. Une dernière photo sur une bouteille avec le dernier party de bureau, tu sais, où tu es complètement dédié par le sous boss. Assis sur la photocopieuse. En 9e position, tu as le Fly Vision. Ça, c'est fun pour les étudiants. Écoute, ils écrivent et tout ce qu'ils écrivent sur le papier est transmis sur l'ordinateur. Ça corrige tes fautes? Ben pourquoi pas? Ben oui, c'est un logiciel pour corriger les fautes, absolument. Ben oui, tu peux écouter les MP3 et tout. Donc, un crayon numérique qui transpose tout ce que vous écrivez à l'écran. Mais là, es-tu obligé de l'écrire en lettres moulées ou tu... C'est ça là que c'est très permissif. Tu peux l'écrire en script et en moulé. Et écoute, ça prend un petit peu d'adaptation, mais on s'habitue. Ça, c'est un must. Ça, si vous n'avez pas ça, là, c'est la table tournante numéro 8. Table tournante USB qui convertit tous vos disques vinyle 45 tours, 33 tours, 78 tours en MP3 directement. Pour les jeunes, c'est en plastique ces affaires-là. Quand on a parlé de disques, des gros trous puis des petits trous. C'est ça. Alors ça, c'est la table tournante USB. Ça, on parle d'à peu près 200$, mais je trouve que ça vaut chacun de ces dollars-là. Wow. Faire le ménage, je n'aimais pas ça. Position numéro 7, j'ai choisi le Roomba 560. Ça, c'est une espèce de frisbee sur roulette, mon vieux. Ça fait toutes les pièces de la maison complètement seules et ça nettoie, ça aspire.
ça nettoie les planchers durs, les tapis. Ça va dans les craques, dans les coins. Ça va dans les craques, dans les bosses, dans tout ce qu'il y a autour de ta maison. C'est-tu le même principe que les histoires de kits là, pour les piscines? Oui, ça fonctionne sur le même principe. T'as absolument raison. Tu parles des belles bebelles. En sixième position, ça c'est l'affaire. J'ai ramené ça, c'était mon best-of. Je t'ai parlé de ça cette saison. Le fameux thermomètre aux bouteilles, là, tu comprenais pas comment ça fonctionne. Alors là, je t'ai amené une petite image. C'est que c'est un thermomètre que tu accotes sur la bouteille qui dit la température du vin à l'intérieur. Flyer, hein? C'est le fun. Ça vaut combien, ça? Ça vaut 99 $. T'as une ouvre-bouteille, mais ça t'indique avec le numérique sur le côté. Ça, c'est amakerschlemmer.com, le site Internet. En passant, hein, je vous défile ça vite parce qu'il y en a beaucoup, mais En passant, je veux dire quelque chose. Tu vas revenir la semaine prochaine, OK? Puis on va se reprendre dans 10-15 minutes. Puis on va passer au travers de ces gadgets-là, puis les suggestions de Noël. La commande est passée. Non, mais tu devrais le dire. Je veux dire quand tu as des belles bebelles comme ça, tu sais. Mais je vais les mettre de toute façon sur le site. Ben oui, pour les gens qui n'ont pas le temps de tout voir, ça, c'est tellement niaiseux, il fallait y penser. Un support pour son téléphone portable quand il est en train de charger. Un petit truc, vous voulez avoir quelque chose à mettre dans le bon Noël? Oui, c'est vrai, c'est niaiseux, mais c'est vrai. 10 $, t'accotes ton téléphone cellulaire puis tu le branches dans le... C'est toujours ça sur le comptoir, mais c'est plus beau, puis il vient une variété de couleurs. Tu l'as dans le vert lime, le noir et le rouge. Exactement. Écoute, on défile, on est rendu position numéro 3, la télécommande quand vous avez tout perdu. La télécommande, tu mets une espèce de petit porte-clés après chacun des articles que tu perds souvent dans ta maison. Et là, tu as la télécommande avec chacune des couleurs associées à ça. Tu cherches tes lunettes, tu pèses sur le bouton lunettes, la télécommande sonne, te dire les lunettes sont ici, boss. C'est beau, ça. Wow. OK. En deuxième position, on a presque fini. Tu m'excites, le petit monsieur. La carte de crédit écran numérique. Écoute ça, là. C'est tout petit, c'est la grosseur d'une carte de crédit. C'est un écran, tu peux écouter des films, tu peux écouter toutes sortes de trucs là-dessus. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de mémoire. Il y a de l'espace de 2 gigs là-dessus. 8 heures de batterie, 99 $. Très abordable. Oh, wow. Petit écran à transporter. C'est vraiment des cadeaux en bas de 100 $. Oui. Mon idée, cadeau, l'idée punchée, c'est le Nutcracker d'Hillary. Alors, pour ceux qui suivent les élections présidentielles... Non, c'est pas vrai. Ils ont pensé à faire quelque chose... Un casse-noix. Casser les noix, mais avec les jambes d'Hillary. Non. Alors, vous savez ce qu'on met le noix, hein? Entre les cuisses d'Hillary, c'est là qu'on sert. Vous savez, le Larry Craig action figure, I am not gay, avec son t-shirt en bas, le sénateur américain. Mais ça, c'est sur le site internet stupid.com. Des idées cadeaux, vous voulez faire rire. Écoutez les détails sur Yannick.net. C'est ça, c'est bon. Non, mais... Tu reviens la semaine prochaine. Hein? On va passer au travers d'autres gadgets. Tu parlais de plein de choses d'ailleurs sur le marché. Hey, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. N'est-ce pas? Mais on a bien du fun. Mais quand tu as tes bebelles et tes gadgets, dis-nous-le pour qu'on puisse prendre plus de temps. Parce qu'il y a tellement... Tassez les nouvelles! J'avais tellement de questions à te poser, c'est incroyable. Le temps de vous présenter les nouvelles. Merci Yannick.